Hey, bonsoir à tous et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur Mad Max et bienvenue pour la suite de la série. Aujourd'hui, on se retrouve après avoir fini de nettoyer absolument tout le désert blanc de Terzari. Tout a été nettoyé, à l'exception peut-être des dunes et de quelques détails. Mais ça, on verra ça pour un épisode prochain. En attendant, nous sommes là avec 14 000 de ferraille et aussi nous avons des grandes ambitions de réparation de la zone de Pink Eye. Allons-y. Donc on va commencer là-dessus. Vous savez, souvent, généralement, il y a l'épisode de... C'est un épisode qui est généralement dédié aux améliorations. Une fois le farm terminé. Oh là 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 là. Oh, c'est cool. Ok, je vois un peu mieux les modifs. C'est très bien. Forteresse s'améliorer. Et là, on augmente encore. Les nettoyeurs. Très bien. Je ne vais pas dire non. Le puits de pétrole. Alors ça, ça va être utile. Hein. On en avait grandement besoin. Là, j'avais plus d'essence dans la bagnole à cause du dernier affrontement. Voilà. Et upgrade. Upgrade. Combien de morceaux de tissu ils ont pu récolter? C'est le plus important, bien évidemment. Voilà, vous voyez, encore plus de tissu. C'est... C'est sensiblement le seul changement. Et peut-être ça aussi en plus. Voilà. Bien. Ok. Ensuite, on dépense 500 de ferraille. Sur les 14 000, ça devrait aller. Voilà. Très bien. Et là, on reconstruit une réserve moyenne. Oh là 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 là. Et amélioration totale et absolue. C'est dommage que ça change pas un peu l'extérieur. Ils ont mis des bandeaux. Ils ont mis des ornements tissu bleu, la moche et chum encore une fois. Mais c'est pas grave. On leur en veut pas. Voilà. Là, c'est les 2500 que je devais dépenser pour la réserve de Pink Eye. C'est fait. Là où il y a de l'eau à améliorer. Et bah je crois qu'on sera bon hein. Bah, c'est ça. Manque que la réserve d'eau. C'est cool. Alors effectivement il y a plus de monde. Plus de monde, il y a plus d'activités. Il y a un peu plus de détails sur les côtés, c'est cool. J'avais vraiment besoin de faire un feu sans déconner. Surtout vous galérez autant à faire des feux alors que vous faites des pièges qui font littéralement l'efficacité x1000 d'un barbecue. Ouais, c'est quand même bien plus chargé en détail qu'avant. Hein. Clairement, avant, tout ça, ça n'était pas là. Il y avait genre 2-3 morceaux comme ça, parsemés, mais c'est tout. Et là, c'est quand même beaucoup plus stylé. Hein. Ouais. Non, il y a eu de l'upgrade, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je sais même pas ce qu'on va faire après, hein, très clairement. Je suis parti dans l'optique de faire une vidéo et de faire les améliorations, mais bon, je me suis jamais concentré sur le reste. Et là, voilà! L'upgrade final, j'avais pas fait gaffe les tuyaux de feu. Ouah, c'est stylé. Ça sert à rien. Mais c'est stylé. Tu vas voir la tente. Bon, ça fait un bordel par contre ces tuyaux. Je sais pas comment vous faites pour vraiment accepter ça. Ok. Bon, maintenant que nous avons fait tout ça, déjà aussi important. Je sais que vous aimez beaucoup sûrement ce Mad Max musculeux et huilé. Mais on reprend en blouson. Quand même, faut pas déconner. Ensuite, on va passer aux upgrades de la bagnole. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a quelques-unes quand même que l'on peut faire. Donc, première chose, on va upgrade à fond le snipe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Ensuite, le harpon, c'est fait au max. Ça, le harpon de feu, il est beaucoup trop faible, donc on l'améliore. Amélioration des dégâts. Voilà, ensuite, est-ce que je peux améliorer encore? Non, je ne peux pas. Chiaps. Là, je ne peux pas. Chiaps. Là, je ne peux toujours pas. C'est chiant.
Là, je ne peux pas, c'est normal. D'ailleurs, on va reprendre la carrosserie de base, c'est celle-ci. Voilà, celle que j'aime beaucoup, beaucoup. Je crois qu'on avait la calandre gueule de la griffe que je pouvais acheter. Donc, étant donné qu'on n'a pas grand-chose d'autre à acheter, on va le prendre. Châssis de combat! J'espère que ça va être vraiment efficace, parce que sans déconner, j'ai l'impression que c'est vraiment à chier. Châssis féroce! On rame un peu du cul au niveau de l'accélération, mais au moins on a l'avantage d'être blindé de chez blindé. Si, je sais ce qu'on a aussi. Les pots d'échappement de président. Voilà. C'est... En vrai, ça rend bien, ça rend bien, ça rend bien. C'est chromé et tout, c'est assez stylé. On a des meilleurs pneus. Voilà. Parfait. On a les pneus suivants? Non. Mais par contre, on a des bons pneus là. Ils sont très agressifs par contre au niveau du design. Là, on est bon. Nitro, on est bon. Jante, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Donc, tac, 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 tac. Au final, on est bon partout. Il nous reste 4000. Alors, on va faire quoi? On va se mettre en gold. Vous savez quoi? The Golden Bagnole. Voilà. Et est-ce qu'on n'aurait pas un style qui serait pas trop mal? Faites-moi voir un peu le dessus, surtout. Parce que c'est le dessus qui m'intéresse. Non, mais... On va les acheter. Voilà. Et d'une. Et de deux. On prend toutes les... On les prend toutes, hein. De toute façon, on a l'étude, hein. Et de trois. Et de quatre. C'est très bling-bling, hein, comme bagnole, hein, avec en or, hein. Je pense pas qu'on va garder ça tout le long de... toute la fin de la série, hein. Très clairement. Mais en tout cas... On va la garder pour cet épisode, comme ça. Ce sera très bien. Pour montrer nos exploits absolus. On peut peut-être prendre ça. On va essayer de prendre des... essayer de prendre quelques motifs, ça. Est-ce que je peux pas l'avoir en rouge? Un beau... Ou en noir. Le noir goudron, ça peut être stylé. Eh, c'est pas mal. Eh, c'est pas mal. Avec le noir, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le noir. Ouais, alors tout ça, je... Hein. C'est... Ouais. On verra ça à un autre moment. Oh là 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 là. Elle est agressive, elle est goldée. Bah, vous savez quoi? Je pense qu'on va aller voir ce qui se passe chez Difriat, histoire de voir comment ça se goupille là-bas. Allons-y. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un peu d'histoire. Et il est temps... quand même d'y aller, hein, faut pas croire. Allons-y. Ouais, alors on est assez lourd. Faut l'en connaître. Je pense qu'on manque d'un nouveau moteur. Plus on a... C'est vrai qu'on a, on a le nouveau pare-choc. Bon, on va les ignorer. Ouais, ça va. Ouais, elle est stylée. Elle est bling bling, hein, par contre. Hein. C'est je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. C'est bien qu'on ait pu upgrade l'air pont de feu. Ça nous manquait cruellement. Très clairement. Ah oui, ici. Alors, je m'excuse. Hein. Archange. Est-ce qu'on a des nouvelles archanges de disponibles qu'on n'a pas débloqué? Alors. En vrai, donc celle-là on l'avait déjà faite, celle-là on l'avait pas faite. En fait, on peut en faire plein. Je verrai ça à un autre moment. Ok. Ne nous éparpillons pas. Ouais, c'est lourd de fou, c'est lourd. La bagnole est extrêmement lourde. Elle a beaucoup d'inertie. Heureusement, on a la nitro pour que ça passe. Très clairement. Bon, bah maintenant qu'on a passé tout ce temps à tout upgrade, il est peut-être temps d'aller voir tout ce qui se passe là-bas. Ah, ça c'était un camp qu'on a défoncé il y a de cela quelques épisodes. C'est
c'était je crois dans celui-ci qu'il y avait le projet des éclaireurs. Projet essentiel aux farms, hein, bien évidemment. De toute façon, ça va être simple. Un épisode de farm en plus dépendra de qu'est-ce qu'il y a derrière cette forteresse. Oh, oh, bonk, bonk. Bonk. Oh, il me fuit. Ça me fuit. Ça me craint. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire chais. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ok, avançons. Et découvrons Gastown. Le temple de Dipfriat. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, allons-y. C'est un sanctuaire. Très bizarre. Voyons voir. Bonsoir, messieurs. Et il y a plein de trucs à faire ici encore. Il y a des upgrades là? Tu veux te voir? Attends, là. Ouais, il y a beaucoup de il y a encore des choses à faire. Mais écoutez, on va prendre ce qu'on peut. Normalement, j'ai encore les thunes. Donc, on peut upgrade direct. Voilà, petite réserve, très bien. C'est creepy. C'est tout ce que j'ai à dire, hormis le... C'est vraiment juste absolument creepy. Voilà. Armurerie. Il m'a toujours pas parlé, le gars. En attendant, ça reste stylé quand même. Ça reste stylé. Forteresse améliorée. Très bien. Très bien, très bien. Ces bruits sont juste extrêmement chiants. Il n'y a que une petite réserve. Où elles sont cachées au-dessus. Arrêtez de gémir! Oh là là, ces enfants, ils n'arrêtent pas de geindre. C'est un enfer. Bon, ça veut dire aussi... Ah, par contre, évidemment. Ah, ça fait du bien. Plus de pommes de terre, plus de beurre, plus de viande. D'accord, au moins c'est simple, c'est efficace. Voilà, bonjour. On va lui parler juste après. Pour faire sa mission. Vous inquiétez pas. Je vais juste faire les quelques upgrades qu'on peut faire déjà. Histoire qu'on commence sur une bonne base. Et que je monte plutôt mon hospitalité. Bien que ce ne soit pas moi l'hôte. Hein. Large réserve. Et vous faites ça souvent, là, des bruits comme ça? C'est tous les jours? Parce que... Les soirées du mercredi, là... Pour être un peu plus discrète, que ça ne me dérangerait pas. Et upgrade de la forteresse d'un gars dont je n'ai jamais encore parlé. Qui je n'ai encore jamais parlé, putain. On va voir, on va voir, on va voir. Ok. Askip, ça s'est amélioré. 5 projets pour Dipfriat. J'ai envie de te parler à toi. The end times are upon us. I... Dipfriat, spawn of the great flame, have beheld it. My children, the
flock of wildfire eagerly await their righteous salvation. They expect me to deliver them. I see in you a possible salvation. How so? Gastown is doomed. The dunes outside all run red with blood. Dread Scrotus and his war boys spread their bloody gospel of the blade. But you, your goal is elsewhere. That makes you a valuable ally. Nobody's ally. Many of my flock have come from the path of the blade and on to the flame. You'll be rewarded in buffed up weapons. Sample! Since Dread Scrotus' recent bout with death by chainsaw to the Nugget, the holy machination we call the Warm Embrace has become non-functional. You mean that big tube mounted outside? It leads into the gas-filled belly of Gastown. Once a sacred moon, it bellows out a pure flame, embracing the wildfire standing in its front. Now the flames have stopped. We cannot go into the tunnels, pitch black and full of flammable gas, making our torches impossible to use. Your false light there, that's the way to go. La veilleuse de Deep Freyette n'est plus alimentée en gaz. Descendez dans les plus profonds tunnels du bas-ventre pour ouvrir à nouveau les vannes. C'est où ça? C'est à Petroville, putain. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a à faire ici. I never thought I'd return to Gastown. What? I was a Blackfinger here. The finest, the most exalted. Oh, I had it all. All the parts, the purpose. I worked on the war machines and the assault vehicles, and I had a bunk. As much gruel and cheese and grease as I could eat. Here, and I lay. In the pitch of night, she whispered to me. The sweet angel combustion, she chose to visit this lowly acolyte. And she gave me a plan. Oh, the sweet angel combustion chose to visit this lowly acolyte. What happened? She told me that I had to begin my toil. I had the designs inside the pan, see? Just like she laid them down, the angel. And I began liberating parts for her design. And they caught me. I mean, they turned me off for good. But Scrotus, rudder, he wanted to play with me. And they threw me off a wall in a bungee. But what with the aid of the angel, I made it out. I didn't die! The parts. Hidden away. Hey! Oh, I think that we can get them for her. Yes, as it was intended by the Shimmy Shammy. Using the magnum opus and the harpoon. Let's do it. Ok, très bien. Donc tout porte à croire et tout me dirige vers Petroville. Et on va surtout sortir parce que ce bruit commence à absolument m'énerver. Trust that fiery preacher. His gods are wicked, Saint. Let's hope his payment isn't. Écoute, je m'en branle un peu qui prit le mauvais truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là-bas. On va faire le repérage nécessaire. Après, on verra. On va faire les deux petits trucs devant et après, on va aller à Petroville. Si Gastown, ça respecte un peu mieux, c'est quand même beaucoup plus agréable au niveau du son, au niveau du nom. Il y a des conneries à faire ici, d'accord. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de camp. J'ai vu. Voilà. Ah ouais! Ah ouais, il y a vraiment pas grand chose. Ouf. Parfait. Et là, on est donc dans une décharge en fait. Je suis en train de me rendre compte. Voilà, parfait.
allons explorer vite fait ici. Ah oui, mais qui sont cons aussi. Les envahisseurs. Je reconnais, vous êtes les débiles qui sont dans les camps de base, vous. Voilà. Nouvel ennemi, les cafards. Alors, jusque-là, je n'ai pas rencontré leur soi-disant cafard, mais bon, on va râler. En tout cas, des beaux véhicules qui nous présentent là. Bien colorés. J'aimerais bien savoir par où on monte. Messieurs, aurez-vous la gentillesse de savoir... D'ailleurs, j'ai pas appris toute la ferraille ici. Il y avait de la ferraille ou pas en plus? Non, ça devait être bon. Très bien, parfait. Ça m'arrange, ça m'arrange. De ne pas devoir y retourner pour trois bouts de ferraille. D'accord, il y a que des gens avec cette tronche là qui... ça me dérange pas, hein. Ok. Alors, spoiler, j'ai mis une armure. Donc, ça va être un peu plus compliqué pour vous. Bonk. Et bonk. Voilà. Très bien. Très, 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 très bien. Donc, il y a quoi? On a pris toute la ferraille? Ok, donc il y a juste... Aller voir là-haut s'il y a de l'essence. J'ose espérer. Mais vu que le jeu est assez vicieux, c'est probable que non aussi. Hop là, 2 balles de snipe. On va pas dire non. Bien qu'en soi, ce soit relativement insignifiant. Hein. Alors, dites-moi tout. Il y a de l'essence. Ils sont gentils au moins. Ok, oh là là, c'est stylé. C'est stylé dans la nuit. Les flammes qui ressortent des cheminées. Le dépotoir, bah ouais, ouais, c'est ça, c'est une décharge. Toujours plus haut, ok, donc on a tout pris. Ah, ça c'est la mission, ok. Ça je peux pas le sélectionner. Quelques épouvantails, sniper. Somme toute, très peu de choses au final en vrai. Tech, 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 tech. Waouh. Ok, donc là il y a des choses. Là. 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 De voir si c'est bien et bien tout. Ok, il y a peut-être quelques décharges. Ouais, il y aura peut-être un épisode de farm, il sera un peu court. Je pense durera un épisode de 40-45 minutes. Où on fignolera absolument tout. On verra peut-être dans un ou deux épisodes. Hein. Je ne veux pas m'avancer sur quand on va le faire. On verra. Ça se trouve dans plus. Ok. Aouh. Je me suis fait mal. Tu peux retirer le harpon. Je vais surtout choper des infos qui sont là, puisqu'elles sont juste à côté. Dis-moi tout. Allez. Merci. Echoes of your deeds resound before you. You're known, legendary. Perhaps keep your head down if you want to keep it. Je suis pas devant toi. Je suis décalé pendant la discussion. Ah putain, allons à Petroville, allons-y. On va faire ça, ça, ça. On va défoncer les 3 trucs qui sont sur le chemin. Au passage.
Je m'en fous. Je suis pas là pour ça. Bon, ça va, c'est assez efficace, hein. C'est assez rapide. Allons visiter tout ceci. Petroville. Faites-moi voir tout ça. Voyons voir. Stay put. I'm gonna look around. Je vais lancer la quête. Voir qu'est-ce que c'est. Qui t'es, toi? Fresh meat for the grinder. Straight from the unforgiving wastes. I want to join the races. Oh. You see that slate? You put your mark on it. Then I'll put you in the murder dome. You work the blood and gut circuit for a couple of years. Survive it. Make champion. Then maybe I can start grooming you for a shot in the races. No time, Jawbone. I need to join the races now. Okay. Maybe we can find a spot for a man of your temperament. Yeah. In return for a favor. A very dangerous, possibly suicidal favor. Hein? J'écoute. You see these? These are lights. But they fade. And when they fade, I fade with them. But if a man, a very desperate man, were to fetch me some new ones, you follow me, Wastelander? You want new bulbs. I want new ladies! Yeah! I want a lot of them! I asked them all! The gangbangers, the torpedoes, the noosemen, but no one would help me! You know why? Because they don't have the stones for Buzzard Country. Oh, mais on les connaît bien, ceux-là! Tell me exactly where they are. Follow this, and you'll get to the Underdoom. Bon voyage! Okay, danse macabre. First he wants an errand run. Et donc, on peut aller derrière ou c'est pas autorisé? Oh. On a l'impression que ça soit encore autorisé. Oh, je suis déçu. Ça reste stylé, mais... Oh, pour le moment, je suis assez déçu. Bon. Je reste sur ma faim. elle est où la mission? Elle est où sa mission de ses morts? Allez, à la Soudune. Ok, d'accord, c'est ici. Très bien. Et bien sûr, ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de la série. On avance bien. On avance très très bien. Et je peux améliorer ça en plus. Oh là 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 là. Mais oui. Mais parfait, parfait, parfait. On a encore upgrade.
tout ceci. Je vous fais à tous sur ce de gros bisous. Et on se retrouve bientôt pour la suite de l'histoire. On va faire sûrement les deux quêtes secondaires. Et on verra si on a le temps pour faire la quête principale en même temps. Ou sinon, on le fera dans l'épisode suivant. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, zou. Bon, je reste un petit peu sur ma faim quand même. Hein. Pour moi, c'est tout petit. Ouais. Bon, on verra ça.